Alors aujourd'hui, on travaille la meringue à l'italienne. Sucré salé, c'est la méthode meringue à l'italienne. Le résultat des courses, c'est ceci. Vous voyez, le bec d'oiseau, ce qu'il nous faut. Le bec d'oiseau, on le trouve grâce à la température qui est de 118 degrés. Pour nous, ce qu'on appelle le temps pour temps, 200 g, 200 g, 200 g poudre d'amande, 200 g sucre glace. Ça, c'est dans le cupo ici. Et la différence, vous l'avez sur votre recette, en ce qui concerne les salés, puisque c'est plus le temps pour temps, c'est plus 50-50, s'il n'y a pas de sucre, ça ne monte pas, il n'y a pas de secret. Hein. Ah oui. Ah ben oui, ça ne monte pas du tout. On ne peut pas faire une meringue sans sucre. Ah, vous voyez, très blanc, hein, déjà, tout simplement parce que tamisé avec des tamis très très fins. Pourquoi on tamise? C'est pour avoir des coques le plus lisse possible. Si vous loupez vos macarons, ça viendra toujours des blancs d'œufs. Donc pendant le tournage du batteur tout à l'heure, qui va durer 12 minutes, je vous explique de A à Z pour les blancs. Donc le cul de poule, c'est fait pour tourner. Hein, passez à la voisine. Voilà, comme ça tout le monde touche au produit. Bien, vous voyez, 1, 2, 2, 3, 4, hop, j'avais là, 2, 3, 4, et voilà, tac. Allez, on refait un petit tour, de la façon que je vous ai fait voir. Tiens, ça va aller comme moteur, ma chérie? Je vous dirai tout à l'heure, tiens. Voilà, les autres, ils auront rien, les grands. Il y a des gros. On est petits. C'est vrai? Bon, alors mangez. C'est qui plaît, et mieux, ils ont déjà fini, hein. Ça traîne là-bas. Hein. Allez, ça traîne, ça traîne. Alors regardez, faut pas que ça sèche, parce qu'on va reprendre ça le temps que vous cuisiez le sucre. Alors faut pas filmer comme on faisait dans le temps, moi le premier d'ailleurs, à la campagne, on filmait, on avait l'habitude sur le saladier. Maintenant, il y a Masterchef, il y a Michalak, on apprend plein de choses, des termes et tout, et ça s'appelle comment? Au contact. Cuisine, vous faites ça. Voilà, on touche. Voilà, ça évite les petites bulles d'air, voilà, et ça nous permet de le laisser, si on veut, pendant trois quarts d'heure, une heure. Et si vous êtes bavard comme papy, vous avez la possibilité, après, de reprendre, et c'est pas sec. Si vous mettez rien dessus, quand vous revenez au bout de 30 minutes, c'est sec, voilà, et ça faut pas. J'ai vu, là, hein, il est beau. Ouais. Mmh. Alors tiens, on va prendre les petites, hein, avec le... Mettez-vous toutes les trois, là. Une photo. Mais mets-toi derrière, avec tes copines, là. Ouais, mettez-vous là. Toutes les trois, là. Voilà. Et le bec d'oiseau, vous ne l'aurez pas comme ça avec la française. Pourquoi? Parce que la française, vous mettez ça dedans, vous ne pouvez pas tourner. C'est pas mettre en ce que vous allez faire. Ça, c'est détendre. Donc on met tout ce qu'il y a là-dedans. Après, on va incorporer les colorants, ici le rose, ici le jaune. Et après, là, on va macaronner. Macaronner, ça veut dire retourner. Voilà, que ça soit avec un gant sur la main. Je vais tourner, 3, 4. Là, je vais ici, je tourne pour voir le fond. À vous. Allez, mes filles. Vas-y, appuie les gens au-dessus là. Avec. Appuie avec ta marise, comme ça. Regarde. Là. Là. Tu tournes. J'appuie, je tourne. J'appuie, je tourne. Et après seulement, tu vas là. Et là, tu vas me chercher ça. Allez, on fait ça.
achetez sur internet colorant alimentaire naturel, il y a 160 maisons qui en vendent. Vous achetez des petits tubes qui veulent. Ça va leur plaire à la maison. Ah oui, ça oui. Je mets pas tout ça. Je mets ma carte. Au sommet. Super. Je reviens vers ma taille. Vous voyez, c'est clean, là, c'est propre. Ça s'appelle un ruban. Je tourne le cul de poule. Je nettoie. Ruban, je nettoie. Bon, il ne faut pas en prendre de trop. Si vous en prenez trop, vous voyez, je le lâche pour vous faire voir qu'il n'est pas déstabilisé. Si j'en prends trop, je fais ça. Boum. Vous voyez, il est en déséquilibre. Donc là, j'en prends à peine une moitié. Je nettoie bien. C'est quand on le ramène, vous voyez, là, c'est le flux et le reflux. Un cul de poule par table, par équipe, 4 plaques, donc si vous êtes 5, 6, ben, il y en a qui travaillent par deux, hein, comme on fait d'habitude, et 4 poches que je vais vous donner. La main gauche tient la douille, la main droite pianote comme un instrument de musique, j'en veux plus. Et là, quand ça coule comme ça, il ne faut pas démarrer, on se dit après, vous ne bougez plus. Faut pas s'amuser à monter. Si vous montez comme ça, ça s'appelle la tour Eiffel. Et après, vous n'arrivez pas à l'arrêter. Faut pas non plus faire, comme il y en a beaucoup qui vont le faire, tourner en rond comme ça. Ici. Pourquoi? D'ailleurs, regardez, je vous fais déjà le modèle. Là. Virgule, tranquille. Pourquoi? Parce que c'est des fours à air pulsé que j'ai. Et si vous en mettez pas deux ici, la feuille, elle va faire ça. Avec le ventilateur et ça va écraser vos macarons. Je suis mal placée. Vas-y, continue, je te dirai après. Vas-y. Ne lève pas. Encore. Je te le dirai. Ne lève pas. Virgule. Doucement. Voilà. Le suivant. Fais-moi les pas trop gros. Pour remplir, on vide avec le pouce. Ensuite, on fait un revers. Allez, vas-y. Ici, le caramel va toujours venir autour, jamais du milieu. Donc tu feras ça, voilà, simplement. Et après tu le laisses dedans, le thermomètre, voilà. Quand tu regardes même pas, on s'en fiche de ça. Hein. Tu vois, ça colle pas. Parce que c'est des casseroles en pierre. Comme en cuivre, avant j'avais dans ma pâtisserie, j'avais des casseroles en cuivre.
Alors là, on va l'allumer parce que d'après moi, il y a plus de 150. Là, on va regarder. Là, on va déjà laisser tremper le thermomètre pour que le caoutchouc. Vu mon grand âge, je peux me permettre. Alors regardez, quand vous mangez, quand vous goûtez au caramel, vous prenez une cuillère, vous la mettez là à la bouche, après vous la mettez ici dans le sale. Hein. Voilà. Oh, il y a une drôle d'allure, hein. Attention. Voilà. Une perte de chaleur. Donc il faut le remonter pendant 3-4 minutes. Moi c'est sûr. Avant c'est de sûr. Remettre. Voilà. Et regardez, après vous prenez ça au bout. Prends ici là. Au bout. Ici ma grande. Là. Et vous d'une seule main. D'une seule main. Et tu fais, tu tires comme ça. Et ceux qui collent, on les décolle délicatement avec le pouce. Voilà. 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 Moi, je fais, tu décolles. Ouais, tac. En fait, ils sont quand même. On dirait des croutons dans la soupe. C'est bon, ça. Heureusement, parce qu'il y a des petites crottes. C'est bien. J'en ai fait. C'est les miens. Mmh. Les coutons. C'est pas des bisons. Ah ben. Ah, ça, ils vont mettre le caramel. Oui, je les ai tous recoupés. Je fais goûter à tout le monde, j'en amène exprès de 3 boîtes. Et ben, le lendemain, j'ai 3 boîtes. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'ai pas assez de toi, désolé. On va les laisser monter pour demain et tout. Non. Commander une journée avant, parce qu'il y a, pas. Si on prend d'une main, ça va faire ça. Tac. Voilà, hop, voilà. Donc, il faut le tenir. Ensuite, on dresse droit. On touche la douille sur le macaron. J'en mets, il est gros, j'en mets un peu plus. Il ne faut surtout pas le lever en l'air. On rippe sur le côté, comme ça. Si vous levez en l'air comme ça, c'est filandreux, vous n'arrivez pas à l'arrêter. Encore un petit coup. Alors regardez, là je suis là, hop, il est assez gros, je fais ça, il est tout petit, j'en mets très peu sur le côté, tout okay. De suite. Là, tac, je finis à ranger. Là, là, et là. Allez, commence d'abord. Côté, tranquille. Je vous donne une poche. Je vais mettre le chapeau pour elle. Ah, je pense qu'il ne faut pas trop appuyer. Non. D'accord. Hein. Mettez plein de pouces bleus, commentez et rejoignez-moi sur les réseaux sociaux. Salut! Vous pouvez me rejoindre sur Facebook, sur Instagram et sur Snapchat. Alors, vous avez choisi quel réseau? Les trois? Ah, c'est bien!